3 conseils pour perdre du ventre. Conseil numéro 1, gère tes problèmes de sommeil. Un sommeil de mauvaise qualité va augmenter ton appétit et va diminuer en parallèle ton activité physique. Le manque de sommeil peut perturber la régulation du cortisol et de l'insuline. Résistance à l'insuline, ton corps peut avoir du mal à utiliser l'insuline, ce qui peut augmenter le risque de diabète de type 2. Et évidemment, le gain de poids. L'augmentation de la production de cortisol peut augmenter la prise de poids et puis l'accumulation de graisse au niveau abdominal. Ça augmente l'appétit et ça réduit également les dépenses énergétiques. Conseil numéro 2, gère ton stress. Le stress augmente la production de cortisol et d'insuline avec exactement les mêmes effets que j'ai cités précédemment. Ton stress chronique libère constamment du cortisol. Le cortisol libère constamment du glucose dans le sang. Donc la glycémie augmente de manière chronique. Et c'est cette glycémie-là qui provoque la résistance à l'insuline. Donc augmentation du poids et accumulation de graisse abdominale. Conseil numéro 3, fais attention à ta posture. Une mauvaise tenue de corps peut rendre ton ventre apparent et peut causer un affaiblissement des muscles abdominaux. Abonne-toi pour d'autres conseils perte de graisse abdominale.